Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à l'habitat. On va aller voir dans la santé bien-être de votre habitat. Donc, on va voir chez qui j'atterris aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, où est-ce que je vais atterrir? Peut-être dans un poulailler. Non. Allez, santé, bien-être de votre habitat. Alors, bien sûr, c'est du général, hein. Faites bien preuve de discernement. Tous les messages ne pourront pas vous parler, c'est normal. Donc, santé, bien-être de votre habitat. On va les zoomer au niveau de la santé, du bien-être de l'habitat d'une personne. Et on va voir un petit peu où est-ce que j'atterris. Alors, aujourd'hui, message. Alors, en ce vendredi. Ici, je peux avoir une trahison. Quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Alors, soit vous êtes cette jeune femme de 18 à 30 ans, ou alors vous subissez une trahison d'une jeune femme de 18 et 30 ans. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. On vous a peut-être, il y a peut-être eu une trahison liée à du financier. Alors, ça peut être lors d'une procédure. Ça peut être lors d'une procédure. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être tout type de domaine, hein, familial. Enfin, bon, en tout cas, moi, je vois, il y a une trahison qui a été faite. C'est peut-être professionnel. Professionnel, sentimental, enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose de gros hein, qui ne vous a pas fait plaisir. Je vois qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment pas fait plaisir à l'automne, comme s'il y avait quelque chose, vous saviez davantage de choses en fait qui vous ont vraiment pas fait plaisir à l'automne. Et là, je peux voir, donc vous avez eu peut-être une ou plusieurs pertes financières de par cette personne, et peut-être qu'après vous avez dû aussi engager aussi beaucoup de financiers pour une procédure. Ou alors vous êtes en l'attente de tout cela. Mais en tout cas, même si vous êtes en l'attente de tout ça, il y a du financier qui arrive à vous. Je vois du financier qui arrive à vous jusqu'à l'automne. Donc là, il y a plein de solutions financières qui arrivent à vous. Donc si vous êtes à votre compte, il y a plein de rentrées financières qui arrivent. Après, si vous n'êtes pas à votre compte, eh bien, vous allez avoir des solutions financières qui vont arriver à vous pour débloquer au maximum toute la situation. D'accord? Et pour moi, c'est jusqu'à l'automne. Et vous allez renaître, hein. Vous allez renaître. Oh bah regardez, oui. Il y a un gros coup de chance durant ce printemps lié à un appel qui arrive très très vite à vous, qui va vous permettre de faire un déplacement et un temps mort aussi dans une maison ou dans un nouveau chez vous. Vous allez peut-être déménager aussi. Cette nouvelle maison est protégée. On va vous guider vers cette nouvelle maison. Voilà, ça sera très très bon pour vous, hein. Pour votre santé, pour votre bien-être et pour tous les autres domaines de votre vie. Il y a beaucoup de chances durant ce printemps. Vous allez renaître. Vous allez pas. En fait, vous allez tellement renaître que la trahison, en fait, vous n'y penserez même plus parce qu'en fait, tout ce que vous avez pu perdre va tellement être compensé par de très jolies choses. Vous allez renaître aussi sentimentalement. Enfin, voilà, vous allez renaître de tout ce qu'on vous a fait, en fait, hein. Je vois une très très belle renaissance jusqu'au printemps. D'accord? Et après, vous serez extrêmement bien en équilibre. Et après, c'est vraiment une renaissance. Déjà une pré-renaissance. Et après, ça sera une renaissance totale pour moi. Ça peut être. Ou alors, c'est une trahison. Voilà, peut-être d'un inconnu, d'une inconnue, liée à votre habitat. Ou. Enfin, voilà. Après, c'est général. Donc, il faut vraiment faire. Voilà. Prendre le message comme ça vous parle. Dans votre situation. Mais après, si vous sentez que le message vous parle pas du tout, faut pas insister. Et si vous hésitez, on le prend pas. Allez, on y va. Alors, je vois un terrain. Pour une personne, je vois un terrain que vous allez trouver. Oh. Comme par miracle. Vous allez trouver un terrain comme par miracle. Je vois que vous allez pouvoir. Je vois que vous allez pouvoir l'acheter. Vous allez pouvoir l'acheter sans aucun tracas. Sans aucun tracas financier.
Joie, une transformation de toute votre situation. Joie, votre toute, il y a une transformation de toute votre situation financière. Et toute cette transformation, ça va vous permettre d'avoir un rêve, qu'un rêve se réalise, que vous puissiez acheter ce terrain. Alors, vous allez peut-être pouvoir même acheter ce terrain pour moi. C'est un terrain, comme par miracle, paf, il se pose sur votre route. Et en fait, vous allez pouvoir l'acheter, donc sans aucun tracas financier. Et pour moi, en fait, c'est vous allez pouvoir peut-être l'acheter sans faire aucun crédit. D'accord? Voilà. Et actuellement, peut-être que vous êtes tracassé par votre situation financière, mais en fait, ça va se transformer au centuple. D'accord? Donc voilà. C'est un rêve, donc souriez déjà ce rêve de vous dire, je vais avoir ce terrain comme par miracle. Alors peut-être que vous avez fait aussi une prière, une demande, c'est possible. D'accord? Lié, est-ce qu'on peut m'aider? Voilà, j'aurais une personne qui aurait fait cette demande. Est-ce que je pourrais avoir, enfin, j'aimerais acheter un terrain. Aidez-moi à trouver le bon terrain au bon endroit, qui soit bon pour ma santé, mon bien-être. Et après, voilà, vous avez dit, mais voilà, moi, j'ai un tracas, j'ai ce tracas financier-là. Aidez-moi en fait à faire, à transformer toute ma situation financière. Et c'est en cours. Hein. Voilà. Deuxième message. Alors, je vois une somme qui arrive pour vous aider à transformer et aussi à rénover votre voiture. Alors, ça peut être votre voiture ou vos voitures, d'accord? Ça peut être personnel, ça peut être professionnel, vous avez une ou plusieurs voitures, ça peut être les deux en même temps. Mais en tout cas, je vois, on me parle d'une. Voilà, il y a une somme qui va arriver pour que vous soyez aidé, soulagé, en fait, à transformer. Et aussi, vous allez transformer, vous allez rénover votre voiture. Ça peut être des réparations, ça peut être un changement, transformer, changer tout, de la tête aux pieds. Et je vois que vous allez avoir un miracle de réparation. S'il y a besoin d'une rénovation, d'une réparation, voilà, bien particulière, ben, il y a un miracle. Donc soit un miracle financier qui arrive à vous, soit un miracle de réparation. D'accord? Voilà. Tous les anges mécaniciens descendent. Tous les anges mécaniciens descendent. Ça me fait rire. Ah. Attendez. Parce qu'en fait, je les vois vraiment descendre. Tous les anges mécaniciens arrivent sur vous. Et c'est peut-être aujourd'hui, hein. Ok, bon ben voilà, je suis très heureuse d'avoir partagé tout cela avec vous. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner si c'est toujours pas fait, vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, messages, etc., etc. À bientôt!